le chat de Schrödinger. Ah putain, j'avoue. Oh là là. Pas de bashing, pas de bashing. On respecte, on respecte. Non, non. Les termes ont été dit. Incroyable. Incroyable. Une très jolie fleur. Nous sommes des fleurs. Merci le chat. Il y en a d'autres qui ont cette phrase, je pète un câble. J'ai fait quoi? Oh non mais j'en ai connu des dessins pas drôles. Quoi? C'est l'heure, mesdames et messieurs! Mais Yoda retire l'épée. Putain, mais Yoda, quoi! Ah, bah non, ça va, frère! Yoda fait de la voile. Ah. Ouais, on est en cours. Il est passé en activité. T'as un petit bateau. Ah, du coup, c'est là où Yoda qui part tourner dans la scène. Vous savez qu'il va se battre. Il y a une autre licence qui va apparaître. C'est très. Mais il y a pas d'épée. La fumée noire. Mais là, il y a une nouvelle licence. Là, il y a insertion. Yoda contre Oni. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Oni. Bien sûr. Oh la masterclass. Oh bien fait. Le chat de Schrödinger. Un chat vivant, puis après un chat mort. Rien de plus. C'est joli ça. Un chat se fout de la gueule d'un homme. Attends, est-ce que ça a bien mené à ce que je pense? En fait, pour il n'y a pas le choix, il fait partie du trinité de... Il fait partie du top tier. Astérion le bon chevauche l'oiseau de Twitter. Je savais pas qui était Astérion ou quoi, donc j'ai fait ça. C'est comme ça que j'aurais fait aussi. Kirby ado découvre la clope. Ok, donc là, ça vient de C'est bien fort. C'est beau, c'est pas mal. Après, c'était très prévu, très précis. Ou un énorme drague. J'ai choisi. Kirby fume un énorme pet. Un énorme pet. En vrai, on reste dans le thème, je pense. Comment la clope? Oh, Xari, ouais. Kirby roule un pantin de dragon. Fume un dragon.
Mais Rive, tu sais pas aussi, what the fuck. Non, mais Rive, what the fuck. Les autres, ils sont plus sérieux. Rive fume un gros teil. J'ai fait des. Un gros teil. Non, mais quoi aussi, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Il consomme des substances illicites. Un cœur, il a été trouvé là-dessus quand même. Ah, la clope revient là, je pense. Oh, il est magnifique. Kirby se fume une petite. On revient, on revient. Jusqu'au bout. Magnifique. Le logo Jordan qui fait du ski. Pas mal en vrai. Antoine Griezmann fait du ski. La classique. Quoi ce qui arrive après, ça sera la faute d'Antoine. C'est la classique. Antoine Griezmann. Aïe aïe aïe. J'ai compris. Antoine Griezmann fait du YouTube. Non. Cristiano Ronaldo et YouTube. Non, c'est celui-là. Il est YouTube. Non mais attends, il est partout. Antoine Griezmann, faut arrêter de le sélectionner. C'est trop. Cristiano Ronaldo ouvre une chaîne YouTube. Comment? Regardez. Griezmann démarre sa chaîne YouTube. Il est pas hyper content. Il progresse vraiment des ces derniers temps. Il a changé sur mes côtes. Comment on est repassé de CR7 à Griezmann? Antoine Griezmann qui a mis cette balle. Le numéro 7, c'est Griezmann. Le numéro 7, c'est le numéro 7 avec le maillot bleu, je pense. Oh là là. Je suis désolé. Plus c'est réaliste, moins c'est terrible en fait. Ça accepte pas la finité de la merde, mais là c'est. On passe au suivant, s'il vous plaît. Gijou gagne la Coupe du Monde. Merci beaucoup. C'est bien fait. Zidane. Zidane de double la Coupe. Bah oui. C'est le retour d'un certain joueur. Moi j'ai très envie. Un personnage récurrent. Encore. Je suis désolé, j'ai pas envie. Ah mais non. Non mais j'ai voulu aller la Suisse. Elle a pas la reine. Oh là là, au secours. Antoine Griezmann est très heureux. Mais j'ai oublié. Oh non, là. Antoine Griezmann qui vient de retweeter d'ailleurs. Oh mais non. J'ai un peu paniqué. Mais là normalement tu l'as, je pense. C'est sûrement Griezmann. Yes. Venez, on décrète un truc à partir de maintenant. Antoine Griezmann est banni de Garfield. Ok, pas de Griezmann. Antoine Griezmann joue pour la France. Si vous voyez un joueur de foot, sachez que c'est pas Antoine Griezmann de base. Bébé Mario au Maroc. En vrai, les fleurs, je trouve que je n'étais pas mal. No joke. Enfin, que je n'étais pas mal. J'arrive à mieux comprendre comment faire passer les messages, quoi. Je trouve. Après, je pue la merde, mais voilà. La merde, mais ça sent la meilleure merde. Mario devient marocain. Il devient marocain. Ah non, c'est pas moi, attends. C'était vite, hein, c'était rapide. Joli, joli. Là, par contre, c'est une catastrophe. L'amitié franco-marocaine. Oh non, c'est vrai, on dirait qu'il a un bel âge. J'ai pas l'impression que c'était Mario. Mais gros, j'ai pas compris que c'était Mario. Bah oui, non, mais j'avoue que sa défense, on dirait vraiment que l'amitié franco-marocaine. Il a le casque rouge. Mon sécarde de Mario, là. Alors, vous avez vu, il y a un dessin qui s'est perdu. Le Mario, il reviendra jamais. Cette amoureuse du Maroc. C'est important, tu vois. Ah, c'est ça que j'ai eu, je crois. Mais attends, le Maroc, c'est dans la. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais gros, il joue pas à Kyogasar. La France vient en vacances au Maroc. Alors, moi, j'avoue, j'ai give up. C'est pas. J'ai give up, je sais, fait nimp. Oh là là. Le drapeau du Maroc. Il a mis du verre vite fait. Je sais pas, c'est zéro effort. Non mais c'est une vanne. Attends, mais c'est une vanne là encore là. C'est un gag. Je pense vraiment qu'on est bonne Twitch. Attendez. Griezmann se fait arrêter à la douane, c'est chaud pour lui. En fait, c'est mon dessin de cœur. Ah non, je... non, non, c'est pas marche. Je commence par Domino. En vrai, je pense que ça va aller loin. Griezmann qui sort du parking. Il y a déjà Griezmann, c'est déjà beau. Oh, clean. Non, c'est terrible. Là, c'est free. Là, c'est free. Griezmann sort de
prison. Bien sûr. Oh là là, c'est vraiment, mais là, là, c'est j'ai failli mettre bouche d'égout. C'est la suite de l'histoire. Hein. Je trouve qu'il y a la capacité de Xavier à faire des dessins utilitaires. Quoi. Genre, tu comprends le sens, même si c'est pas les tellement utilitaires. Rayman sort enfin de prison. Enfin, genre, ça fait 20 ans. Enfin. Rayman après le vaccin. Mais c'est magnifique. Rayman est en prison. Il n'y arrivera jamais à sortir. Si tu regardais mon chat, le Hebs de Beaumet, je savais pas ce que c'était. C'est bon, tu t'en es sorti. Son flex au régime. On est d'accord, pas de bashing. Je peux tout expliquer. C'est mon pire dessin. Pas de bashing. Oh non, 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 non. Non, pas de bashing. C'est Pierre Ménès avec le masque là. Ouais, toi, total culture, total. En vrai, il est limite propre. Mais je sais pas. Ronflex avec une énorme tête. Déjà, il y a Ronflex déjà. Ah ouais. Non, mais c'est un temps Ronflex. Non, mais déjà, Ronflex est resté après ça. C'est hallucinant. Mais non, mais c'est mon pire. Ronflex suce une tétine. Ah oui, bravo. Merci beaucoup, Xari. La suite. J'ai eu peur que ce soit un chat, mais. Oh non, ça, Gigi. Gigi, je t'ai fait honneur. J'ai deviné quand même. Non, mais ouais, je tombe sur ça, quoi. Ah ouais, un énorme flèche. Ronflex, il est entre nous bien. Tu voulais que je dise quoi, connard? Bah, il était une tétine, pas juste tête. Bah, il pouvait que téter ça, parce que si. Bah, non, mais moi, je t'en ai mis Ronflex, ça part. Moi, c'était l'inverse, du coup, il avait pas encore mangé. Ça a pas fini, du coup. Pour les changes de Ronflex. Il est ok de ouf. Mais oui. Il faut aller chercher la pokéflûte. Oh, la masterclass. Incroyable. Tiens la douce, heureusement. Non, pour le moment. Les Daft Punk cachés. Mec, il y a un souci. Ma phrase. Je te promets que c'est ma phrase. Ah oui, mais il y a eu deux fois. Ah ouais, sérieux. Il y a eu aucune fois. Ah merde. Incroyable. Daft Punk, celui visière semi-intégrale. Pas d'autres cachés. Je suis pour les Daft Punk en plus. Les dads. Les dads. Ah, quel dommage que ce soit la même chose. J'ai fait des dads, quoi. Une famille aimante. J'ai fait des dads, quoi. T'as marqué les dads. En fait, je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a eu exactement. Il y a eu deux fois la même phrase. Et moi, je venais de faire le dessin de Daft Punk. Et quand je tombe sur ça, je me dis, mais c'est un bug. Et du coup, je regarde mon chat. Je fais, ouais, je crois que c'est un bug et tout, machin. Et le truc passe. Et je vais pour écrire les dads. Les dads. Une famille aimante. Qu'entre là. Donc, je chie dans la colonne. Let's go. L'ambiance est délétère, merci Antoine. Moi j'ai une famille. Voilà. Bah, je suis désolé, moi j'ai pas eu le temps de terminer. Il y en a un, il fait des haltères dans la famille tout le temps. J'ai rien su dire, il y avait rien. Il y a des haltères dans la famille. Ouais, il fait des haltères. À gauche. C'est le E. En vrai, je pense que je il a abandonné directement. Il a flemme. Il a flemme. Il a flemme. Vas-y, fais-y. Désolé, je pouvais rien dire. Je suis en mode. Donc concentre-toi. Les Daft Punk. Bah voilà. Donc en fait, c'est le même mec qui va sur vos lives pour donner la phrase. Je pense que vous avez lu le même. Oulala. Désolé. Ah merde. Ah voilà, oui, je te réponds. Ça peut être saved. En fait, pour moi, il n'y en avait qu'un de casque. Du coup, j'ai pas. J'ai un peu. Mais Samus se fait remarquer par Pikachu. Il y a eu un truc. Ah, ils vont être intéressants avec Nintendo aussi, ça va être sûr pour moi. Ah oh là, oh le Pikachu là. Il se passe des trucs là. Un look j'adore ce bac. Pikachu mendiant là du côté. Oh mais gros, c'est. Oh là là, il est trop chaud aussi. Ah, par contre, ça c'est vraiment désolé. Tortue Ninja contre Pikachu. Oui, t'es pas mauvais toi. Oui, c'est très mauvais en sexe par contre. Pourtant, JDG il sort. Let's go. Pikachu, c'est la télé. Tortue Ninja versus Pikachu. Mais fais un effort, s'il te plaît. Pikachu, vraiment, il m'a fait plus. Mec, j'arrivais plus à savoir à quoi il ressemblait. Tortue Ninja contre Pikachu 333 milliards 333 333 milliards 333 milliards 333. C'est drôle, c'est bon, t'es fier de toi. Mais en plus, la prochaine qu'on se marre vraiment, quoi. Oh, wow. On dirait un bout de Twitch. À présent, se préjuger au tribunal. C'est un peu sang. Ah, c'était pardon, mais oui. Il est à 100%.
Un canard se fait juger au tribunal. Alors c'est un peu non. Non, on n'est pas à l'aise en dessin, ok. Mais attendez, comment ça s'est passé? Attends, mais comment c'est arrivé jusqu'à moi? Ça, c'est très beau pour le moment. C'est de petits canards. Oh non, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il y a un moment, ça va mal tourner. Il y a vraiment une dame de rire. Je vois pas du tout, ça va. Là, je le hint, tout va bien. Un canard jugé au tribunal. Ok, ok, ok. Il y a quelqu'un qui a hint sur un dessin. C'est moi, c'est pas moi. Quoi? C'est quoi ça? J'ai cru que c'était un canapé. Jamais top 3. Canapé jugé, je sais pas pourquoi. Même là, canapé, c'est chaud. Ils arrivent à croire que c'était un canapé. Oh non, les amis. Les chats se permettent de te boyer jugé pour ça. Bah voilà, j'ai eu ça, quoi. Pas mal, en vrai. Docteur Feed. Je suis un peu deg. Oh, tu as trop bien réussi. Non, j'ai eu un pingouin jugé au tribunal. Au final, il est quand même jugé. J'ai eu ça, moi, du coup. Franchement, t'es pas dans le trio de la merde, Gigi, t'es chaud. Voilà, il revient presque. Et c'est Sarko. C'est Sarkozy qui revient aussi. Oui, Sarkozy qui repart en prison. Mais Sarko en prison. Sarko. Ah c'est dur Sarko quand même. Par contre toi le pingouin il a fait. T'as vu mec mon pingouin? Un Kobyman plaque le capitaine. Alors je suis vraiment désolé, j'ai paniqué. J'ai pas du tout eu ça. Ah oui. Il y a un truc hein. Marion couche enfin avec. Oh mais non mais quoi? Non c'était pas ça. Masterclass bien sûr. Marion qui pénètre. Mario sauve Peach d'une mort certaine, je sais que c'est. Ah non, il a. Non, mais. Je sais. Non, mais j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Je te soutiens pas, non, je l'ai. Mario, très grand avec Peach. Merci, merci, Pierre. Il a vu les deux persos, François. Ah, j'ai essayé de s'épuiser, mais. N'empêche qu'il y a par les deux personnes. Le dessin de JDG, il est incroyable. Il est masterclass. JDG, t'es chaud, hein. Non, mais JDG, le dessin, il est monstrueux. C'est vraiment une bulle. Oh, la jolie Peach. Oh, la petite Peach. Oh, le beau Mario. On appelle toujours du mec qui fait du chien avec sa Peach. Incroyable. Un cochon crée une vache. Bon, Ouais, mais MV, il est sur le code tiers. Un cochon crée une vache dans une seau. Elle a la tête du punisher. Oula. Attends, quoi? Encore. Oui, c'est un une vache grave. Fume un giga et se dit à deux. Mais il est où le cochon? J'ai vu ça comme rêve, c'est de la drogue à chaque fois. Mais y'a pas de cochon? De la drogue. C'est incroyable. Une vache fume un long joint de peu. Limiter les références à la drogue à 5 par soirée à peu près. C'est pas possible. Un révolutionnaire qui sur la préfecture. Ah oui, celui-là il finit mal. Celui-là il finit mal. Ah mais là il pisse sur une tombe. Un sans culotte pisse sur la batterie. Je vais rester sur les rêves. En fait j'ai dessiné et j'ai oublié qu'on était ensemble. Gigi va trouver une petite référence au shit ou un truc comme ça là. J'ai fait une vanne dans la soirée, je me fais laver quoi, ça. Non, mais c'était drôle. Sincèrement Gigi, je te rassure, c'était drôle. Non, pas Antoine Griezmann, non. OK, alors c'est bon. Christine Bravo versus un paquet de malheur. Oh, c'est trop chaud mec. Oh, c'est trop dur. C'est trop bien fait. Il est trop chiant. Marion Rotin se bat contre un paquet de Mikado.
on peut pas vraiment t'avaloir parce que c'est un grippin. Elle ressemble à Marine de ouf en vrai. Une femme balance un grippin par la fenêtre. C'est trop stylé. J'ai même plus envie de regarder la suite, je veux juste rester sur ce dessin de fou furieux. Une femme jette une console par la fenêtre. Oh mais non, c'est un grippin, ça se voyait. Ah oui, d'accord. Les deux manettes, c'est bien vu. Une femme balance une balance par la fenêtre. Une balance, ah oui, c'est un peu une balance. Avec des manettes. C'est un rêve. Avec des manettes. Ah mais oui, la balance de Rosenthal. La balance traditionnelle. Bien sûr. La balance de Rosenthal. Une femme jette une balance par la fenêtre. Ça s'appelle de la culture, ça, par contre. C'est pas de la... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la culture. Yannou, il y a le petit curseur et tout. Il y a avec un Death Note. Mais je suis blonde. Pourquoi vous croyez tous que je suis blonde? Je crois qu'il faut que tu comprennes pas plus que quelqu'un voulait le dire, mais bon, on se trouve... Ah, c'est chaud. Chaque fois qu'il y a une courte... Plus durable, tiens. Je sais pas si on dirige. Après le vaccin, pas mal, pas mal. Après deux vaccins, mec. Là, la punie, elle a pris. Merci Fonce pour les yeux écartés et tout. Magnifique, sublime. Une photo quoi. Sublime photo pour le coup, bravo, sublime.